Allez, salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 7ème épisode de Keep Your VR. Ça faisait un petit moment que j'avais pas repris cette série. Donc il était temps de s'y remettre, donc regardez la salle, regardez mes points. Je rappelle les règles pour ceux qui découvriraient cette série. Donc j'ai 9999 points. Tant que je les garde, la vidéo continue, dès que je les perds, la vidéo s'arrête. Alors je vais reprendre le format que j'avais pris dernièrement, donc pour l'épisode 6. Donc c'est-à-dire que la vidéo durera 30 minutes. C'est-à-dire que quelle que soit la course où je perds, si je peux perdre au bout de 2 minutes, la vidéo se finira quand même dans 30 minutes. C'est-à-dire que de 2 minutes à 30 minutes, il y aura un fond noir. Tout ça pour que vous sachiez pas à quelle course sera la dernière, quoi. C'est-à-dire que le temps, la durée de la vidéo ne sera pas un indice pour savoir sur quelle course je perds. J'espère que je me suis fait comprendre et on est parti sur... Oh, Route Claire de Lune, qui n'est pas une map propice... au motomac, sachant qu'on s'est pas mal bumpé, il y a pas mal de voitures, on va essayer de s'en sortir, c'est parti. Donc Shizuku qui est ici avec sa nitrocyclette que j'ai déglingué. Oh attention, faut pas que je me fasse avoir. J'ai eu Louis aussi, désolé Louis, j'ai pas fait exprès. C'est juste que j'ai noobé. Mais tant mieux, sinon tu m'aurais poussé. Donc allez, c'est bien de partir 1 puisque quand on est 1 on se fait pas pousser. Par contre j'ai perdu mes carapaces alors je les ai même pas utilisés. Oh très beau snipe, franchement je sais pas qui c'est mais joli. Il m'a enlevé la première place. Du coup j'ai, je suis 6ème. Je me fais enchaîner derrière, j'ai pas pu prendre d'items. C'est Freepoint qui m'enchaîne. Freepoint, je vais me venger hein. Attention à la voiture qui arrive. Ah bah là faut faire une remontée là. Mais regardez, ils sont pas super loin si je prends un bon item. Surtout que là on vient de passer à la 40ème seconde. C'est à dire que l'éclair peut ne pas tarder. Donc si possible une étoile et un éclair, ce serait parfait. Un éclair. Il n'y aura pas d'éclair, mais c'est pas mal, j'ai pu remonter pas mal. Allez, j'active le champignon, parce que là, c'est pas le moment de rester dans le peloton. Je vais faire gaffe à Shizuku qui backspam. Il s'est fait avoir, je passe 1. Je reprends ma première place. J'ai pas d'item, ça me fait un peu peur. Parce que là, on peut me rouge à tout moment. Fais gaffe au wheel. Surtout que Utopia avait une rouge qui me l'a pas envoyé, mais je vais pas le dépasser. Je vais faire gaffe aussi au backspam. Faut faire gaffe aussi... au lag hein, parce qu'il passe à côté de la bombe et il peut la faire exploser alors qu'il l'a pas touché. Ah, faut vraiment que je fasse gaffe à son backspam, il peut backspammer à tout moment. Je vais prendre large ici. Je crois que quelqu'un s'est fait écraser. J'ai entendu un bruit bizarre, je suis deuxième là, je suis plutôt loin des derniers. C'est rassurant mais on sait jamais ce qui peut se passer. Faut que je surveille Utopia en fait. Et je surveille aussi les voitures. Vous voyez là il y a une bombe. Je vais prendre super large, ouais. Je prends aucun risque même si ça me fait perdre du temps. Tant pis si il a failli me péter le wheel, je suis encore 3ème, c'est assez acceptable. Donc Dave je le rouge pas puisqu'il joue super sympa avec moi. Surtout que 3ème je m'en contente, je garde mes points. Ok, on finira. Bah justement la vidéo ne se finira pas au bout d'une course. Et ça, c'est déjà très bien. Vu la map sur laquelle on était tombé, j'étais en droit de stresser. Hein. Allez, on continue. Il y a un peu de pression avec cette série, hein. Alors là, va falloir rester concentré, puisque N64, c'est le gros bordel. En sans cesser, en plus. En sans cesser, je suis pas trop fan de circuit, puisqu'il y a des longues lignes droites, c'est lent. Mais voilà, vu la map, je sais que ça va être un peu le bordel. On va être prudent. Je vais les laisser un peu passer. Prendre un item que je n'aurai pas, finalement. Donc c'était inutile. C'est pas grave, je reprends la spi, je remonte 4ème. Donc derrière, bon, c'est serré pour l'instant, il n'y a pas trop d'items, c'est pas trop le bordel. Oh là là, et voilà, ça commence. Je me suis pris vraiment à un pixel près, hein, c'est dommage. Parce que, franchement, j'étais à un pixel de pas me la prendre, mais je me la suis pris par un pixel. Donc je vais claquer pour pas me faire pousser par Fred. Et là, je vais essayer de combiner si possible. Hop, on combine. On fait gaffe à Shizuku avec son zap. Ah, j'ai pas pu le sniper. Par contre Freepon, on va la sniper. Non, j'ai pas réussi. Je voulais me venger de la rouge qu'elle m'avait mise. Mais j'ai eu Shizuku en fait. Ah, j'ai raté 2 MT, ça c'est pas bien, on va se concentrer. Ouh, il me pète le wheel, faut que je sois vigilant là avec le wheel. Mais le truc c'est que je le vois vraiment pas arriver. Ah, encore un zap derrière moi. Oh, oh, oh. Alors là, la banane c'était impossible à esquiver, elle était en plein milieu. C'est super violent, vous avez vu hein. Faut rester très vigilant, faire attention au wheel, faire attention au backspam. Là vous voyez, je sais que Louis, bon il joue pas trop violent, donc je me fie aussi au style des joueurs, ça peut m'aider.
Ouais, il gardait un bill en fait. Et il a poutré le mec, Ripon se fait avoir, je ne sais pas comment. Moi je suis 3ème, je m'en plains pas. Je vais essayer de tracer le plus possible. Je vais faire gaffe au backspam. Bon, pour l'instant ça a pas l'air de backspam. J'ai une rouge que je vais garder pour celui qui veut me dépasser. Là je vais essayer de runner le mieux possible. Ah, il y a le bill qui arrive, donc c'est bon, il s'est fini. Ouais, faut essayer de runner le mieux possible pour gagner de la distance par rapport au poursuivant, puisque là c'est le bordel hein, là, derrière, je sens. Ah là là, Dave qui s'est fait avoir par la bleue, pas de chance. Je le rouge pas, je suis pas gourmand en fait, j'essaie vraiment de sécuriser. Donc je garde mes items. Alors on va faire gaffe au snipe, je me mets pas sur la même ligne que Utopia. Oh attention, je me suis pris la rouge de Dave, donc ça c'est ironique puisque je lui envoie rien et finalement je me fais quand même avoir. Ouf, heureusement que j'ai enlevé le wheel de justesse. Ouais, dommage, dommage. Ouh là là, j'esquive de peu là. Va falloir jouer sur les items là, parce que regardez, en plus ils commencent à s'éloigner les premiers sur la minimap. Il me faut un item, il me faut un item. Ah, c'est pas ce que je voulais avoir, attention au bill, je prends aucun risque. Oh attention à Freepon. Ah, qui m'oblige à faire un peu n'importe quoi. Il me faut un item. Oh, j'ai pu en prendre, hein. ça c'est trop de chance. Par contre, j'ai qu'une rouge. Ah, c'est pas top ça. On va faire gaffe au géant. Allez, je rouge là, plus de pitié. Est-ce que 5ème, ça me permet de garder mes points, je pense. Mais on peut essayer de viser un peu mieux que ça. Pff, j'ai failli prendre la flamme. Allez, on va essayer de cutter proprement. Oui, sinon je me prenais la banane. Je fais 3ème, je crois. Attention, attention à l'étoile. Ouh là 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 là. Ah, c'était le gros bordel là, franchement c'était la chance hein. C'était la chance, puisque en plus je me prenais la banane au cut, mais l'éclair est super bien arrivé. Et du coup je garde mes points. D'ailleurs je vois que Dave et Kitzel, les deux premiers, jouent aussi le jeu. Plus on est alors c'était quoi déjà la phrase? Plus de fou on est. Non, je m'en rappelle plus. Attends, là, je suis complètement paumé. Allez, la suite. Plus on est de fou, plus on rit. Voilà le proverbe. Je suis désolé, hein, j'étais encore sous le coup de l'émotion de la course. Du coup, je retrouvais plus mes mots. Et allez, on est parti sur GBA 3. Troisième course, c'est pas trop mal pour une reprise de cette série, j'ai envie de dire. Par contre, attention aux zaps derrière. Ah, Shizuku a essayé de le refiler, il a pas réussi. Si, il a fini par réussir à le refiler. Là, j'envoie ma rouge pour pouvoir combiner. Parce que si j'ai des champis, je vais pas les laisser mettre le fake là. J'ai vu qu'il y a un fake. Allez, on va essayer de cutter. Oh, c'est dommage, je me suis pas appliqué. Parce que là, si je m'étais appliqué et que je passais, j'étais premier avec deux champis. Et là, par contre, je pense que c'était pratiquement. Ouh là là, Shizuku, la seule Peach qui me tue. Ouais, si j'avais cuté là, je pense qu'on était pas mal. Bon, c'est pas grave, là il y a du challenge. Allez, on va essayer de remonter tout ça. Éclair, j'attends pas là. Regardez le retard que j'ai, c'est pas la peine. Allez, on trace. Ah, c'est faisable, hein. Je vais profiter du deuxième tour pour remonter tout ça. Hop, on va combiner des étoiles, des billes, des dorés, tout ce qu'on veut. Eh oui, désolé. Allez, j'active maintenant. Ah, j'aurais pas dû activer maintenant puisque je pourrais pas combiner, c'était pas intelligent. Bon, tant pis. On va combiner aux autres items. On va combiner. Non, pas à ceux-là. Attention à l'étoile. Je prends large. Voilà. Il faut vraiment pas prendre de risque là. C'est pas le moment. Là, j'ai une étoile. Il n'y a pas eu d'éclair encore, il me semble. Allez, j'active. J'ai pas envie de prendre le risque. Allez, je vais pas des logs. Ça sert à rien. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais pas avoir 3 champis. Je pensais avoir une étoile ou quoi. 1, 2, 3, go! Là j'attends pas, je vois que le dernier a pris les items, donc je pense qu'il va peut-être avoir l'éclair, mais rien de sûr. Là par contre je vais pouvoir activer mon doré ici et pouvoir combiner après. Vous avez vu, j'ai réussi à remonter, par contre le mec... Ah ouais, l'éclair est tombé maintenant. Ouais, le mec a un zap, mais bon, ils se sont tués entre eux. Regardez là, les 5 premiers ils sont super loin là, c'est dangereux ça. Ah, faut les rattraper là, ça va pas. Bon, je suppose qu'il va m'attendre. Non, il m'attend pas. Il ne m'attend pas, tiens, c'est bizarre. Allez, j'ai combiné maintenant. Faudrait que je cut là, si possible. Ah non, je peux pas cutter. Tant pis, de toute façon, c'est bien loqué comme il faut. Allez, je garde mes rouges. Je les balance. Ah, Utopia va se faire avoir, je crois.
S'il se fait avoir, c'est pas mal. C'est pas grave, je lui envoie d'autres. Il va la esquiver. Je profite de ça pour lui envoyer. Il y a la bleue qui arrive. J'aurais peut-être dû garder l'item pour voilà, le mec à 3 rouges derrière. Je peux avoir très mal là. Attention à Freepoint qui ne fera aucun cadeau. Ouh, elle se fait backspam. Ouais, je fais n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais c'est n'importe quoi ces courses. C'est n'importe quoi, je sais pas comment je fais pour m'en sortir. Alors à la fin, voilà, c'était un peu le bordel. J'ai utilisé mes items alors que des gens avaient des rouges derrière, j'étais en stress. Finalement, il y a eu la bleue, du coup, j'ai pu en passer quelques-uns. Et je garde mon carré de 9, miraculeusement, vraiment là. Allez, c'est parti pour la suite, quatrième course. Je crois qu'on est pas loin du record où c'était 5 courses. Quatrième course sur Delfino. Ça va être encore le gros bordel, je sens. Ça va être encore un miracle si j'arrive à être dans les 5 premiers. Mais bon, allez, on y croit, c'est parti. On va essayer de prendre de la spi. Non, j'ai pas réussi. Dans ce cas, on va laisser les gens passer pour avoir un bon item. Oh là là, ah ouais, on pousse bien comme il faut. Oh, personne n'a pris cet item là finalement. 3 champis, bon, on va les garder pour double cuté. Si je les perds pas d'ici là. Puisque ça va certainement backspam. Des bombes ou je sais pas. On reste prudent. Et là, je vais bien me concentrer pour le double cut. Puisqu'en ce moment, je le passe pas bien. Je sais pas pourquoi. Voilà, regardez, tout le monde cut. C'est la fête là. Regardez, j'ai double cuté. Oh, j'ai pas pu combiner, dommage. J'ai double cuté et j'ai pratiquement pas gagné de place. Ah, c'est super serré, mais bon, 6ème. Oh, jolie banane de Fred. 7ème. Bon, mais sachant qu'ils sont tous serrés devant, 7ème, c'est une bonne place. Puisqu'on peut, avoir un bon item. En prévision du cut, toujours. Freepon qui active maintenant. Est-ce que c'est judicieux? Alors, on fait gaffe à la banane. C'est bon. Oh là, qu'est-ce qu'ils se sont pris là? Oh là là. Voilà, c'est bon. J'attends que l'item réapparaisse. C'est bon. Oh, dommage. Bien joué. Bien joué. Il a eu la bombe au bon moment. C'est pas grave. Ah, ça active de n'importe où, faut être trop prudent, mais il y a des trucs qu'on peut pas gérer quoi. Tu peux pas, t'as pas le temps d'esquiver. Hein. C'est impossible. Ça c'est bon. Est-ce que je peux combiner? Ah, non. Enfin, est-ce que je peux combiner? Est-ce que je peux double cutter? Je peux cutter cut simple. Allez, on va le faire. Ah, il y a des champis sur la route. Pourquoi pas? Je dis pas non. Ces 3 champis, est-ce que je vais réussir à les garder? Ça, honnêtement, j'en doute. Mais si je les garde, ce serait pas mal pour double cutter. Est-ce que je peux prendre de l'aspi? Non. Pas d'aspi. Ouh là, ça vient en force. J'hésite à utiliser un champi maintenant pour m'éloigner de ceux qui arrivent. Mais je vais pas le faire. Je fais gaffe là, je prends large. Bon, apparemment ça va pas backspam. Je pense que ça a aussi des champis devant. Non, ça avait des rouges. Elle a pas backspam la rouge, c'est sympa. Là, oula, j'ai pris de l'aspi. Waouh, catastrophe. Si, ça passe, double cut. Je passe 1, j'aurais peut-être dû garder mon champi s'il y a une bleue. Mais bon, le 2 peut avoir aussi une rouge, donc j'ai bien fait, je pense. Waouh, l'éclair. Est-ce qu'il y a du dodge derrière? Non. S'il y a du dodge, il y a un build qui arrive. Est-ce qu'il va faire premier? Est-ce que je vais faire 1? Je fais 1. Je fais 1. Incroyable. Là, je suis dans une bonne période, puisque... il aurait très bien pu y avoir un éclair qui me target pendant que je cut, ou plein d'autres trucs, une bleue, ou... voilà. Mais non, pour l'instant, c'est pas le cas, donc on profite, hein, et puis... on arrive à la 5ème course et je crois qu'on égalise le record de cette série. Donc je crois que c'était l'épisode 5 ou 4, je ne sais plus, où j'avais fait 5 courses. Allez, on est parti. Allez, on est parti sur GBA 3. Donc on refait une map qu'on a déjà faite. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et je suis premier, donc là, concentration. On va essayer de locker le cut. Ah, je crois que je l'ai mal locké. Je l'ai posé trop tôt. Tant pis. Ah, quelqu'un se l'est pris, ça cut pas pour l'instant. Je garde ma première place. Ça c'est pas mal, j'ai pas mal d'avance. Par contre, il y a pas mal de bleus sur cette map, donc on va pas se réjouir trop vite. Je me concentre sur les trajectoires là.
Je sais pas c'est qui deuxième. Bon, j'ai backspam pour lui dire de faire attention. Je suis vraiment sympa quand même, hein. Oula, par contre, il y a le build qui arrive, attention. Allez, on va mettre une banane ici. Non, si ce n'est pas prise. Le problème, c'est que même s'il y a des joueurs avec qui on joue tranquille, là, je peux pas savoir c'est qui derrière, donc dans le doute, là, on va locker. Ouais, là, je crois que j'ai bien locké, là. C'était pas mal. On va voir s'ils vont cutter. Non, ils cutent pas. Donc, je continue. Je prends l'avance qu'il faut. C'est-à-dire que même si je me prends une bleue, ça devrait pas être trop catastrophique. Allez, je vais backspam, là. C'est parti. Bon, le deuxième l'a bien esquivé, mais le troisième se l'est prise. Eh oui. Là, par contre, je garde mon item, on sait jamais. J'espère qu'il a pas envoyé de rouge, par chance. Non, c'est bon. 3 bananes, ça, c'est un bon item, ça. Franchement, c'est même un des meilleurs items. Je sais pas si le cut est low, si le cut est loqué, sachant que oh le fail et la bleue qui arrive. Non mais là franchement ça sent pas bon les gars. Et là le fail plus la bleue c'est mauvais signe je vous dis. Hein. Ça veut dire c'est la fin ça. Ça veut dire c'est pas bon. Le champi je claque. Ah, si je fais attention ça devrait passer quand même. Attention back spam. Parce que là, je vois qu'il y a pas mal d'équerre entre moi et les poursuivants. Ouais, ça passe. On va prendre large. Parce que ça backspam, apparemment. Ouh, attention, attention, attention. J'aime pas cet éclair. Non, c'est bon. Ça devrait passer. Bah alors, c'est bien. C'est très bien parce que on bat le record, tout simplement, pour la reprise de la série. Hein, puisque ça faisait 5-6 mois que j'avais pas fait d'épisode sur cette série. Qui est plutôt apprécié, j'ai l'impression. Et ben, voilà. On fait une bonne prestation. Même si je joue pas très bien, honnêtement. Je fais pas forcément les bons choix. Vous avez vu le fail, et après je me suis pris la bleue directement. Là, franchement, j'aurais pu le payer très cher. Allez, on est parti pour la 6ème course. On a battu le record. C'est que du bonus. Je suis en train de me demander si la vidéo va pas durer plus de 30 minutes, là, avec les courses que je suis en train de faire. Parce que je vous ai dit qu'au début ça durait 30 minutes, mais si ça dure plus de 30 minutes là, c'est l'effet surprise il est un peu pourri quoi. Il n'y a plus aucun intérêt à ce que ça dure 30 minutes si je dépasse le truc. Hein. Bon, on va voir. Hein. Moi de toute façon je vais essayer d'aller le plus loin possible, hein. je vais essayer d'enchaîner les bonnes places, mais si ça dépasse 30 minutes c'est un peu dommage. Allez on se concentre, donc Frippen qui a bougé quelqu'un, je ne sais pas c'était quoi son pseudo, oh je l'ai bien snipé. C'était joli. Oula, un bug du mur moyen. Mais bon, ça me permet d'être en tête. Et non, la rouge n'y fera rien. Ouh, attention. Attention, banane de Louis. Ah, attention. Ouais, c'était dangereux. Ouh, attention. Oh là là, bah ouais, là je pouvais pas. Je pouvais pas. Trop de bananes. Ouh, j'ai eu chaud là par contre. On va essayer de passer entre les bananes. C'est bon, ça passe. Frippon qui veut me faire la peau, hein. Clairement. Allez, grandis, c'est bien. Il me faut un item. Voilà, on va jouer la sécurité. Voilà, une banane, c'est bien. Ah, j'ai pas fait le low jump, ça c'était mauvais. Ouh, ça lag, j'ai l'impression. Peut-être une déco, je sais pas. Bon. Passage moyennement réussi. Allez, je me concentre là, je fais pas des bonnes trajectoires, je trouve. Donc, Louis est premier, c'est-à-dire que je suis à l'abri de la bleue. Deuxième, c'est pas mal finalement. Même si là il s'est un peu fail, j'ai l'impression. Je crois pas qu'il va backspam, c'est pas son genre. Ah, c'est bon. Ah, il y a Dave qui a fait le grand cut, hein, j'ai vu au loin. Par contre, il y a eu un petit fail, j'ai l'impression. À moins qu'il ait fait qu'avec 3 champis. Donc là, ce serait bien joué. Est-ce que je peux avoir la speed de Dave? Ah, non. Non, 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 non. Allez, je peux l'avoir. Non, je peux pas l'avoir. On va essayer de faire le bug du mur, on va essayer de pas se foirer. Non, mais je préfère le passer comme ça plutôt que faire un gros raté comme je viens de le faire. Oh là là là, ça sent pas bon. Ah, oh, il a fallu d'un fail pour que ce soit la cata là. Il me faut un item là, absolument un item. Bloops. Qu'est-ce que je vais faire avec un bloops? Je crois que c'est la fin. Ouais, 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 c'est la fin, c'est la fin. Pff, oh là là, catastrophe. Mais bon, on a battu le record et puis
Et puis comme ça au moins la vidéo durera moins de 30 minutes. Comme ça le suspense reste entier. Maintenant il n'y a plus de suspense, hein. Vous voyez où j'ai perdu. Tout simplement à cause d'une erreur, mais je pense que même si je faisais pas l'erreur, vu comment ils étaient derrière, je pense qu'ils seraient remontés, ils auraient cuté ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'en profite pour faire une petite annonce pour la série What the Fuck. Donc il me manque des vidéos pour faire le prochain épisode, donc n'hésitez pas à me passer des vidéos où vous estimez qu'il y a quelque chose de What the Fuck dans votre course. Ça peut être soit des combos, soit du lag, soit des bugs. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez que je poste peut-être votre vidéo dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.